Salut les fines bouches. Saviez-vous que Elwac, notre chaîne, se trouve en Picardie, ça vous le savez, mais se trouve plus précisément dans une commune qui accueille une grande entreprise qui s'appelle Vico, la pomme de terre. Vous avez tous un jour mangé de la pomme de terre de chez Vico en chips. Aujourd'hui, on va vous montrer comment travailler la pomme de terre autrement, en faisant la plus simple de toutes les salades de pommes de terre du monde. Mais croyez-moi, testez-la et dites-moi. Alors, de quoi avons-nous besoin? Évidemment, de pommes de terre. Ici, vous avez de l'Alliance, chair un peu ferme, pas trop sèche, mais qui va se tenir. Des cornichons que j'ai préalablement coupés en rondelles. Des oignons, ciselés fins. De l'échalote, ciselée fin. De la moutarde à l'ancienne. Du vinaigre, une dizaine de centilitres. 20 centilitres d'huile. Poivre, du moulin, sel. Et si vous voulez, c'est pas du tout obligatoire, c'est accessoire, mais moi j'aime bien en mettre, un petit filet de citron à la fin. Comment on procède? On va faire cuire nos pommes de terre à l'eau, une trentaine de minutes, salées, et on va vérifier au bout de 25 minutes, avec la pointe du couteau, si la pomme de terre est cuite, mais un petit peu ferme, fondante. Ensuite, on va prendre ces pommes de terre, on va les faire refroidir, les éplucher et les couper en dés. On se revoit juste après des dés. Dès que les dés sera là, on se revoit. A tout de suite. Voilà. La magie de la télé, c'est qu'en 10 secondes, j'ai fait cuire les pommes de terre une demi-heure, je les ai laissées refroidir 5 minutes, je les ai épluchées et je les ai coupées. Tout ça en 10 secondes. Essayez, vous allez voir. Donc je les mets de côté. Je prends mes cornichons et je viens les mettre dedans. Je prends les oignons ciselés fins. Que je mets dedans. Mon échalote ciselée fin que je mets dedans. Et je mélange le tout délicatement pour ne pas casser les morceaux de pommes de terre. On a déjà un premier pas vers une diffusion des arômes auprès de la pomme de terre. De l'autre côté, je prends la moutarde à l'ancienne que je viens mettre dans un récipient. Je prends mon huile. Mon vinaigre. Poivre. Au goût. Moi j'aime bien. Un peu de sel. On mélange le tout avec un fouet, mais sans trop battre, parce que sinon ça va devenir une mayonnaise. On verse ça sur les pommes de terre. Là, on mélange encore très délicatement. On peut, si on le souhaite, prendre un peu de persil haché, le rajouter dessus, ou de la ciboulette. Et moi, c'est l'instant que je choisis pour mettre mon petit jus de citron. Ça, au frigo, minimum une heure, recouvert d'un petit morceau de film. Dans une heure, vous goûtez et vous m'en donnez des nouvelles. Voilà les amis, voilà comment on peut cuisiner facilement un très bon produit et rendre le tout exceptionnellement bon.
On coupe la pomme de terre en gros morceaux parce qu'elle est au milieu du plat. Le reste, cisele fin. Comme le dit tout le temps mon ami Gilbert, cisele fin, ben moi je mange. Alors, à vos couteaux, à vos épluches pommes de terre et bon appétit. Alors, tout se passe bien ?